Alors, première question de Romain Dupin. Bonsoir, quand sera disponible le nouveau programme UPR? Est-il prévu de le mettre sur la boutique en ligne et aussi de le vendre lors des conférences? Alors la réponse est oui. On va essayer d'avoir un nouveau programme. En fait, j'ai déjà parlé du programme. À la différence des autres partis politiques, le programme que je présenterai, ça sera fondamentalement le même, du moins dans ses grandes lignes directrices, que celui que j'avais présenté en 2011. Voilà, vous trouverez bien entendu les trois objectifs cardinaux, fondamentaux, qui constituent la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN, afin de récupérer la souveraineté nationale, l'indépendance de la France. Et on retrouvera à peu près les mêmes choses que ce que j'avais présenté en 2011. Mais il y a un mais, c'est que en 5 ans, il s'est quand même passé un certain nombre d'événements. Puis notre mouvement s'est beaucoup développé. On avait 700 adhérents quand j'avais présenté le programme. On en a maintenant 15 144, c'est-à-dire qu'on en a quand même, on en a plus que 22 fois plus. Et donc il y a plus d'attentes et plus de demandes sur beaucoup plus de sujets. Donc dans le programme que je présenterai, il y aura des ajouts. J'en présente d'ailleurs quelques-uns dans ma conférence qui s'appelle « Comment sortir la France du désastre en 2017 », notamment des économies sur le millefeuille administratif que je présente, un renforcement des mesures concernant les libertés publiques. Mais il y aura aussi, et je l'annoncerai dans les semaines qui viennent, des chapitres approfondis par rapport à ce que c'était, notamment sur les questions d'écologie, d'environnement, qui préoccupent à juste titre beaucoup nos concitoyens, mais aussi sur les questions de sécurité, mais aussi sur les questions d'éducation, mais aussi sur les questions de santé, mais aussi sur les questions de logement, mais aussi sur les questions de justice. Voilà. Donc ça fait un certain nombre d'éléments. Ce ne sera pas des choses totalement et radicalement nouvelles, mais il y aura quand même, je pense, un certain nombre d'éléments qui satisferont. Et puis évidemment, on s'arrangera pour faire éditer ça rapidement et pouvoir le vendre au moment où commencera, je l'espère du moins, la campagne présidentielle. Et puis de toute façon, ça sera disponible pour les élections législatives qui suivront.